deuxième partie qui sera les rendez-vous du week-end à ne pas manquer parce que quelques dossiers importants nous attendent lors de ces rendez-vous du week-end. Nous nous excusons pour ces légers retards. De toute façon, cette émission a été prévue dans l'avant-midi, mais parce que les Oisaliens ont repris avec le combat, tout ça. Donc, l'émission, on devait les faire avec le porte-parole des Oisaliens. Alors, comme du coup, depuis 5h, 6h, ils ont été attaqués par les Banyarwanda dans leur position. On ne pouvait pas faire l'émission parce qu'il fallait d'abord qu'ils combattent et qu'on voit une évolution au niveau du terrain avant de nous présenter au devant de vous pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Ce qui fait en sorte que l'émission qui était prévue, je crois, à 11h même, soit décalée jusque dans cet après-midi, je dirais même au début de cette soirée. Alors, merci d'avoir compris parce que tout ce qu'on fait, c'est pour votre bien. On ne pouvait pas venir vous annoncer des choses superficielles sans savoir ce qui se passe. Comme il nous avait demandé de patienter dans l'après-midi, les temps de voir l'évolution avec le combat, tout ça, on s'est devait aussi de pouvoir patienter pour avoir des vraies informations à la source afin de venir vous le partager. C'est toujours pour nous une responsabilité, s'il vous plaît, de pouvoir prendre en compte tous ces aspects qui sont très importants de l'actualité pour éviter que tout le bacalino comme sous-soupé, ma comme sous-soupé, des os à la front. Alors, nous sommes déjà là, peu importe l'heure, nous sommes déjà là, peuple congolais. Vous avez compris pourquoi tout ça, l'émission, on a héroïo. Nous sommes déjà là, tout partagé déjà, lien. Il y a émission, lien, il y a live, oyopo, bandeko, bakotite, bakota rapidement. Il y avait suffisamment de personnes en attente, malheureusement. Zélie, Bamsous, Bazarna, impatience. Et Keï, peu importe, bisoba déjà pour partager lien pour bandekomsusu, baya, kozonga, pour se joindre à Nabiso. La première partie, rapidement, on vous fera le point avec Monsieur Jules Moulumba, porte-parole et Bawazalendo, parce que Bitumba Izongi, Kobanda Tongo, 5h, 6h, il y a dimanche à Lelo, Kino, peuple congolais, Tango Bitumbeza, toujours en cours. Alors, Tango Basa, qui moi, petite pause et permettez qui est à rappeler Ngaï na téléphone pour tout le monde sa interview. Wana. Donc, du coup, vous voyez, na émission Oyo, il y a première partie. Donc, le Bédapé, Makambo, Félix Tshisekedi, président de la République, à Salaki Lobby, dans le niveau, il y a Luanda. Vous allez vous souvenir que Zaki n'a sommet, Zaki prévu, Kuna, pour Nakoye, finaliser, dernier réglage, il y a déploiement, Mikomizali, Koya, peuple congolais, il y a battu à Sadek sur le sol congolais. Malgré refus à peuple congolais, malgré, en tout cas, inutilité peuple congolais, il y a battu haut, il y a armée étrangère, parce que nous avons déjà la leçon avec la MONUSCO et l'EAC. Nous ajouter la Sadek pour des gens qui disent le président a l'ingamon la sécurité dans Mboka pendant période électorale, le quoi a confiance, il y a battu à EACT, à l'ingamon remplacé, on a battu à Sadek, batoyer ceux qui battent à la vide. N'a expliqué nous de choses. N'a habité que, oh non, le bas, les évangiles, bon, le bas, oui, à son gagne opposé, sauf volonté, n'a été. N'a l'incarnatia doute, n'a pas mis tout, n'a bino. Pour vous réfléchir sérieusement et vous comprendre que ça n'a aucun sens si vous pensez de la sorte. Que, oh, ce qui est assez accueilli, bon, vous va remplacer, bon, vous avez dit qu'à la vidité. Donc, selon vous, les quatre coins du Congo sont protégés par l'EAC, c'est ça? Selon vous, la présence de l'EAC est-elle importante sur les sols congolais? Si oui, par rapport à quoi? Parce qu'elle fait quoi exactement sur les sols congolais? Donc vous pensez que l'EAC n'est pas complice du Rwanda? Vous êtes convaincu que l'EAC est-elle aussi importante qu'avant qu'elle parte, il faut qu'on trouve une autre solution avec une armée étrangère? C'est faux. SADC, EAC, des étrangers qui n'accepteront pas de mourir pour la RDC. Vous avez vu deux personnes de l'EAC qui ont été tuées? C'est pour ça que l'EAC veut se jouer de nous. En voulant, non, on va désormais combattre pour vous pousser, vous. Parce que s'ils le font diplomatiquement, comme ils en ont l'habitude avec le gouvernement, nous, le peuple, nous allons devoir nous soulever et nous énerver contre eux. Maintenant, pour éviter qu'ils aient cet aspect des choses, ils ont pris toutes les précautions pour essayer de vous transmettre une image qui n'est pas la leur, forcément. Mais pour vous pousser à croire qu'ils ont changé de vue. Ce n'est pas aux militaires sur le front de changer de vue, non. Avant qu'ils ne viennent, il y a eu des sommets qui ont défini leur arrivée, leur venue sur les sols congolais. Dans ces sommets-là, il y a un communiqué qu'on appelle la feuille de route de Luanda. Dans ces communiqués-là, le communiqué qui a été lu du côté congolais, c'était l'EAC était venu pour combattre.
Par contre, les communiqués qui étaient lus du côté de tous les Nilotiques, veut dire Burundi, Kenya, Sud-Soudan, Ouganda et puis Tanzanie, c'était l'EAC ne viendra pas pour combattre, mais viendra pour entretenir l'insécurité. Et visiblement, c'est leur point de vue qui a plus compté lors de l'existence de l'EAC sur le sol congolais. Ce qui veut dire que l'EAC a respecté l'entretien de l'insécurité et non le combat ou la lutte contre l'insécurité. Donc, c'est nous qui avions failli une fois dans cette feuille de route de Luanda. Ça ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, vous voulez nous vendre des illusions du genre l'EAC va partir pour que les vides ne soient pas observés. La présence ou l'absence de l'EAC sur les sols congolais, depuis qu'elle est là jusqu'à l'heure où je fais cette émission, a toujours été inutile. L'EAC n'a jamais été importante. L'EAC n'a jamais joué un rôle dans la sécurité de la population congolaise. J'ai dit jamais et je pèse mieux mes mots. Le président lui-même l'a dit au Botswana, que l'EAC était complice des terroristes rwandais et non une solution pour nous. On n'a pas compris par quelle magie, par quelle sorcellerie, le président a accepté que ses ministres, Sama Lukonde, Christophe Lutundula et Serge Tshibangu, aillent faire quoi? Prolonger les mandats de l'EAC malgré les refus catégoriques du peuple congolais. Même s'ils ont prolongé les mandats, l'EAC n'a pas su prouver qu'elle méritait cette seconde chance. Ce n'est pas maintenant, en remplaçant la SADC à l'EAC, que ça va changer quelque chose. Ces armées sont là pour leur objectif. À moins que les autorités sortent et nous disent, voilà, on a signé des accords avant d'arriver au pouvoir, regardez nos accords concernant ici, là, on va comprendre qu'elle est en bobine. Pour un premier mandat, ils en avaient besoin pour peut-être la stabilité dans leur pouvoir, ils en avaient besoin. Mais maintenant, peut-être si vous leur accordez un second mandat, ils vont changer parce ils auront peut-être le plein pouvoir et ils auront déjà maîtrisé quelques coins ou quelques aspects du pouvoir, peut-être. Mais à continuer à nous laisser dans ces flous que vous entretenez vous-même, ça nous pousse à croire que vous êtes plutôt complice de ça. J'aimerais dire à des Congolais ou aux Congolais qui me suivent dans cette émission d'arrêter, s'il vous plaît. Arrêtez de pousser les gens à croire que non, la SADC viendra prendre la place de l'EAC. Ça veut dire que si l'EAC n'a pas combattu, la SADC non plus ne combattra. C'est que vous sous-entendez, c'est ça au fait. La SADC, l'EAC était là et n'a rien foutu. Si la SADC vient prendre la place de l'EAC, veut dire que c'est aussi pour rien foutre. Allez-y comprendre. Arrêtez de fermer les yeux et de croire à toute mensonge, à toutes sortes de mensonges qu'on vous raconte, tout ça. Soyez vigilants. Soyez des hommes aguerris et avertis afin d'éviter de se faire manipuler par des gens peut-être qui ne sont pas intelligents que vous. Arrêtez de vous laisser emporter dans l'émotion. Il fallait que je précise cet aspect des choses, peuple congolais, pour bah, doute et qu'on a vraiment de comprendre que ce n'est pas ce que vous pensez là. C'est pas ça. Il y a certainement un aspect qui échappe à tout le monde et qui n'échappe pas à ceux qui sont au pouvoir parce que c'est eux qui ont manigancé cet aspect-là. Alors, ils auront à nous dire très bientôt. Parce qu'avant tout, qui est réellement avec nous, qui n'est pas avec nous. Hein? Peut-être la garantie, il y a tout, mais bon, a qui popularité, mais je n'ai pas vu là où la popularité en gros est Martine à mon été. Pour nous, nous avons fait mon Sinzili, au bas de la Macam, donc, dans mon place popularité, mon corps et Martine. J'ai peur que tous ceux qui ont induit Félix Tshisekedi dans beaucoup d'erreurs depuis qu'il est au pouvoir continuent à l'induire en erreur et qu'il perde ses deuxièmes mandats. J'ai peur parce que visiblement, le président fait confiance aux gens qui ne les méritent absolument pas. Ces gens qui ont des femmes rwandaises, qui sont des affairistes, des opportunistes, le président le sait pertinemment, qui ont des groupes armés, qui ont des carrés miniers. Avant que Tshisekedi ne devienne président, ces gens-là avaient déjà des alliances avec le Rwanda. Ils exploitaient déjà des minerais à l'est du Congo. Et ils ne vont pas les changer aujourd'hui. Ils ne vont pas les changer aujourd'hui. Malheureusement. Mais nous, on sera là pour vous dire la vérité et vous permettre de comprendre. Là, j'ai peur que le président a perdu l'équilibre. Pour battre, on a tout, baba, maman, là-bas, traître. Quand je mets l'interview, il y a un décogil, Mounouba, pour comprendre, Nengazoko dévoilé, généraux, Kitchanga, et qui veulent à tout prix chute, Yagoum. C'est eux-mêmes, au sein des FARDC, qui veulent à tout prix chute. C'est quoi? C'est quoi, peuple congolais? Pour bah éviter que ce gros maïkoué, ils vont plus gagner. Peut-être si bah signa bah business na bango bah deal na bango bah si bah signa mon colo gros maïkoué y a beaucoup ma batou boy boy. Alors nous préférons que Tshisekedi a renvoyé bango bah qui est pour ça l'opération en Rwanda, qui soit considéré comme nos ennemis et non ceux qui sont avec nous, mais qui travaillent en réalité pour nos ennemis. Non, non. Au monde.
Tolo bangona munoko mboka nini mokondi mboka. Tolo bangona munoko mboka nini. Pour comprendre que batona tout. Et ça n'a rien à voir avec ton histoire que tu nous dis. Oh, t'es baébi, bah, pas ça, que t'as un naïf. On est talibango. Et talibango, c'est que eux pensent de vous. Et talibango. Et talibi sauté. Nous, nous voulons savoir ce que vous, vous pensez de la République et des réalités de la République. Hmm? Comment il y a des gens, depuis aux oies mandats, baébi, ça va au bateau, baza, batou, ma béo, tigre, bah, on sait que yondo, l'y baza, la wana. C'est que ta faute n'a pas monté. Tu vas nous voir que la scroll, ma cala, monte, on a essence, on a comme ça, et pélissara yo. Eza nini, eza ba close, oye bo signa ki mo yon longo la bango, eza te. Yon do zana biki yako signe, na biki yako, ko longo la ne yo zana ou. Siko eza nini. Tos so la nini na makam yon suzo koneka. Tan on ako tia interview bo goza la choke, men ako sepe la bo goza la choke nan denge yon apo e souva, bino, bo comprendre ki on ne fait pas de l'émotion ou du sentimentalisme ici. Bah, traître, wana, et c'est eux qui ont les monopoles. À chaque fois qu'il y a une réunion qui tend à défendre tout ça, ils sont là pour s'interposer. Oh non, non, il faut agir de cette manière. Et je ne sais pas pourquoi le président appelle sa bango confiance pendant que tout ça, quand il dit, toi, il y a un arabiso, Fati, toi, il y a un arabiso. Toi, il y a un arabiso. Si vous avez un bato, tout va quand on a kissi. Bah, tout va quand on a kissi. C'est que nous avons raté. Hein? C'est que nous avons raté. Si vous avez un kissi, c'est que nous avons raté. Il y a quelque chose, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Si quoi, batouana, ba o bazinga zingara ye fachi, bangouana ne moutouba ke yuko proposé ma kabouya ba coalition MONUSCO FADC. On a ba objectif na bango peuple congolais. Et sangre koti mobulu. Et sangre koti mobulu. Peuple congolais. Ba kangi deux généraux. A na zo koloba. Na rope sa détail au fur et à mesure toujours évolué na émission. Ba kangi deux généraux. Si ko ba outu ko boaka bango na prison quelque part. Ezan an doyote zape na makala te ba boaki bango quelque part. Boko yeba le webe zaba nan na rotanga ba kombo. Boko yeba. Hmm? Trop c'est trop. Ba traître ba leki. Ba traître ba leki. Et tant que ba traître na ba rozaka wana se ke fati yondo gondima ke baza la wana iba continue ko sala ka trahison na bango. Yondo pesi bango opportunité wana. Pour qu'on ait les bossons d'un ami. Pour qu'on ait vraiment les bossons d'un ami, le peuple congolais. Dans la situation, il y a un ami. Dans le problème, il y a un ami. On a l'impression qu'il y a des problèmes qui manquent des solutions. On a l'impression qu'il y a des problèmes où il n'y a pas de solution. Il y a des problèmes où il n'y a pas de Mais bateau peut pas voir comme ma solution. Il y a un peu qu'il faut faire de la sorte pour solution. Il y a. Mais bah, ça, là, qu'en côté. Bah, ça, là, qu'en côté. A tozo koloba, ba position ba ozayendo ont été attaqués à cause de la trahison ni sous ba FADC. Faites attention à vous. Faites très attention à vous. Yaonga na lobaka à tous ces gens qui font croire à Fati qu'il a un deuxième mandat facilement parce qu'il est populaire. Ngai mo na komi ko douter. Hmm? So ki Fati a eu deuxième mandat, il a un deuxième mandat ya ba contestation. Ya ba contestation. Parce que na l'ure makambo ezo kende la peuple congolais objectif ezali ba élection sa maté dialogue et salama pour ba traître nous on va continuer pour se positionner hmm? Va continuer pour se positionner peuple congolais zila va continuer pour se positionner pour ba continuer pour gagner ba vie na ba ndenge ba mesa na sima ba groupe armé. Ah, nazoko loba, je sais de quoi je parle. Bazoko multiplier ba stratégie contre ba wazalendo, même na niveau ya ko pousser ba wazalendo, ba attaquer ba FRDC. Ba au moins ni o na esa ki so mi komunika ke ake non, ba to ya, ba Rwanda ba ki ko recruter ba wazalendo, ba créer wazalendo bus, ils ont, ces Rwandais là ont été aidés par certains généraux au sein de l'armée congolaise. Ba bi misa bis ya ba wazalendo, et wazalendo wana ya bis ue koza la pro Rwanda et ko atake ba FRDC pour na ko pousse FRDC a atake ba vrai wazalendo. Vous avez compris la nuance? Certains généraux rwandais traîtres tout ça au sein de l'armée congolaise ont joué un rôle dans un recrutement mafieux ya ba patriote wazalendo pour former une équipe ya ba nouvelle génération ba wazalendo qui travaillera pour le Rwanda. En travaillant pour le Rwanda, ils vont maintenant attaquer les forces armées de la RDC et ils vont se retirer après attaque. Et les FRDC n'auront pas de choix que d'attaquer les vrais Wazalendo qui combattent depuis tous ces temps dans les territoires Nyiragongo, Rutshuru, Pemasisi.
Alors, nzambe pe alala kate ba wazalendo basa nini ndenge kaka boyebi na yebisaka bino bazalendo baza baninga na bino te baza bana classe na bino te arrêtez de croire que boko piéger bango boko longa tout ça à l'heure où je parle là bakangi ba généraux wana bakangi bango peuple congolais et vi na bango sikoyo ezali wapi na niveau ya prison bakoti si bango quelque part na prison na Kinshasa et sengel to so la madame makamu ndenge zoko kende awa ba wazalendo ba uti ko intercepter colonne mususu ya Banyarwanda ngé kote na niveau ya Virunga. Ta on a sali interview o na ko diffuser dans un instant na ndeko Jules Mulumba. Je me suis rendu compte peuple congolais que na niveau ya Virunga bisiko ba combat il s'intensifia ki mi communiquer ki au peuple congolais. Bango ba wazalendo bazwa ki ba disposition non sort pour na ko ke ko sécuriser nini Virunga. Et là maintenant Banyarwanda o andai ko se déverser na ba colonne n'ont pas su le faire. Jusqu'à ce que position Bazaine na tonga les a attaqué par ces mêmes Banyarwanda. Or ça a été la stratégie. Il y a certains officiers au sein de l'armée congolaise pour n'a pousser Bazaine au bas se retirer na Virunga. Ba ya ko se recentrer ko se reconcentrer côté à Kichanga na niveau ya territoire ya Masisi pour na ba va continuer au combat côté à Kichanga comme ça Virunga tika à nouveau vide et Banyarwanda ba sanini par côté. Stratégie. Na mitu na ka Banyarwanda soki ba officier soi-disant officier na kati armée congolaise mosana bango eza nini bazo gagner nini en voulant à tout prix trahir la république il gagne quoi ba vina bango pe bonga kana nini ka ba humé do ya ba 10 niveau bazo tonga na Goma wana bon mukolo to kozwa mobutu musu na pouvoir akobuka ba immeuble ya kimuyibi ya makina ba tonga bo ke komi diembi ka wapi bo ke ko sinzi la wapi bino ba traître ba umbu ya Kagame bo ke ko diembi la wapi. Ozoma makamu nenge zali peuple congolais. Ba wazale victime ya trahison ya ba FRDC. E bazo ko kikile terre. Po nenge na Burungu na 10 km ya Kichanga bisika bitumbe s'intensifie. Dekoji la pesi biso ba chiffre deja une vingtaine de morts kote ya Banguna. Na sina yebisa ki biso que l'avantage que nous avons na ba certains recoins ya Congo avec les wazalendo, peuple congolais, c'est que ba wazalendo ba yebi terrain na Bango. Or la plupart des jeunes au bazar recruter des forces na Rwanda ba ke ba formation na chance ou tout ça ba yeko se déverser na front ba yebi na bango terrain te ata ba si bango cartographie na carte tout ça ba ko maîtriser ango na ndenge ya malongate parce que ba tika ko zana ba place ou na te peuple congolais et du coup bango ba ko tomber davantage na piège na biso mais ce ko likambo ya ke ba FRDC ba ko ma obstacle pour na retour ya Kimia. C'est là où je m'inquiète au niveau du président de la République parce qu'il est mieux placé. Il faut comprendre ma cambouane. Si tous les gens sont des traîtres, il y a possibilité à former une équipe qui n'est pas au sein de l'armée, mais qui enquête sur l'armée en parallèle et à bateau et au Tinda officiellement. C'est de ça qu'il faut au fait. Au Tinda, au Tinda, Serge Tibangu, à Keio, à Keio, négocier ma cambouya et assez, au Tinda, et moi, non, il faut au Tinda. Tous au Serge Tibangu a évité au petit bango pe basanini ba bazana mission ya ko contrôler na EAC na Serge Tibangu po ba yeba soki makambo yo tek na monoko ya Tibangu ezali makambo o ekomeli bato ya EAC parce que si ça a été le cas ba yevre rebelle za visible le linga ke zate concrètement et linga ke zate parce que le président apparemment il s'est fini na bato wana à 100% atindio etinda atikelio responsabilité mobimba kende cela yela non il faut qu'on contrepartie entre expertise et Zalaka. Et des gens qui restent dans les nuls, dans l'anonymat, pas des gens qui sont connus pour attirer attention, il y a bateau, il y a obtenu une mission officielle. Non! Mobutu les faisait. Et Bandek au permettre à éliminer tous les prêtres à chaque fois qu'il y avait des enjeux cruciaux pour Nambo Kanabiso. C'est quoi cette histoire? On appelle ça bateau confiance, les gens pensent que Nazali est faible et tout ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que toute cette littérature-là, sans des actions concrètes qui suivent la littérature, les Congolais continueront à mourir. Continueront à mourir. Armée Mobimba, Nazobang et la Sugo Bande, on a gagné ma jeune, mes trois cousins qui ont rejoint l'armée. Nakati a recrutement, Fatih a annoncé en novembre. J'ai peur que comme certains de nos membres des familles, au Bakoufa, la force armée, la Frankouna, Bango Baya Pekoufa. Comprenez maintenant pourquoi j'ai ma charme autant quand j'entends parler de la trahison. Ba jeune au bazar recruté au lelo. Ba kende kuna, ba ki kwa maboko ya ba traître au bazar na front wana. Ba banda ko se faire éliminer. Non banda ko se faire éliminer et même voyez ba honte parce que vous n'avez jamais de contre-expertise. Vous faites confiance à tout le monde et à tout temps de la même manière.
aujourd'hui bateau union sur la traite na katia FRDC mon kondia mboka normalement pour qui vous permettre te que yo signé ordonnance ya ba traître ba comme ba généraux c'est inadmissible tous ces gens yo mataka ba grade ba comme ba généraux sur base ya ba Frank Tumba o ba recommanda ka batuana ba tango faible o ba recommanda ka batuana na niveau bazaki ba colonel to ba major général major tout ça ba tikali jamais kosi sa bitumba na est et la plupart na bango bazar même pas na front ils connaissent même pas les fronts na physique boité ba kaka ba sangona ba cartographie mais c'est eux que vous nommez généraux au détriment de ceux qui sont des capitaines depuis kamabout bazaka ba capitaine tino bazaka ba capitaine parce que bazana kati ya mafia te bazana criminel te baza ba groupe armé té du coup baza victime ya honnêteté na loyauté na bango vis-à-vis ya patrie parce qu'entourage na yo eza entourage ya ba mafieux et du coup ba ko établir ka liste ya ba petit collabo na bango ba ko yela yo on nomme ba continuer ko contrôler armée ces deux généraux yo pesi en ordre ba arrêter bango o ba même bango na prison baza suko na prison wana ba généraux wana mi balé o yebi ki baza ba tu ya Frank Tumba o yebi yango mo kondi ya mboka ata so kangi bango ba au tiki Frank Tumba au continuer aux alabato msusu et les Frank Tumba seraient même en connexion avec Yav qui avec Chirimwami on fait tomber Bounagana tala bomo na binu monde singa matembeleza e koti e bimi moye kata na bomba moko ezate po eza nyoka okolongo la ba généraux okolongo ba colonel okokanisa bango mais tant que mutu o ezoko protéger bango ezoko recruter bango ezaka kawana il y aura toujours renaissance et abat traître et qu'on continue qu'aux anakati à armée et puis surtout au sunga mané l'autre côté tu au sunga mané l'autre côté bah jeune oh bah tu peux recruter bon nous on va venir là-bas on a danger pour là-bas généraux traître là-bas homme d'affaires wana aux bango bah ça dit bah formation misika bah tiki bah famille moi-même quand mes oncles disaient à mes cousins là ok n'était bon alors qu'faut qu'on en parle alors vite ok il faut qu'faut qu'on en boque mais un gars personnellement on dit bah t'es qui va qu'faut qu'on en boque on a qu'on dit mangoté parce que bah vous aurez jamais bah avantage ou bah généraux bien bon nommé bah vous aurez des yo montons comme en général jamais sur la longue bite ça c'est faire du kabilisme bah John Numbi banani tout ça bah arriviste bah réparateur et bah radio bon il n'a pas tout ça va comme bah généraux vous continuez à faire les mêmes choses des colonels qui n'ont jamais combattu qui n'ont jamais gagné une guerre ou encore moins une bataille tout ça mais qui sont là partout à être à nommer des généraux bah zo mataba ils montent des grades parce qu'ils accomplissent quoi pour l'armée ou pour la république il y a moins qu'on a au baraque non bateau bah mi bien on va conseiller à Tshisekedi bah ils en a bah kabouya ils en a bah vous ne pouvez pas nous chanter chaque jour nasa conseiller avec des mais toi là tu n'as pas de trafic d'influence et talibi sauté nous tout ce qu'on vous demande n'est-ce pas bateau à IDPS bah tout le monde sauté bah kabouya tout ça vous connaissez ça kabounde pour azaki le coso en bon ou soit azaki mais au botiga bah na botiga il est normal on va pour ça rappeler ça par contre kabounde faisait peur même là-bas généraux kabounde faisait peur là-bas généraux il jouissait du même pouvoir de la même confiance du chef de l'État n'importe qui nous posait dans mon élo mais bien nous posons qu'ils disaient on prend la bande d'accord et sombama banane et sombama bon on boit quelque coup ça vous êtes qui n'a place à malonga bon gars bon non tout réfléchir bah tout bas c'est plein de mingi les cabres armés comment peut-on agir peut-on nous mettre au travail pour essayer de dénicher un peu ma faiblesse autour de la salle mon condi amboko parce qu'il y a des gens qui par exemple si Fati est au Congo bah écoute on a Fati presque chaque semaine qui sont là bah écoute après viens voilà bah on met la soie du whisky soquinin ah excellence moi et toi c'est qui discours on est au Congo bah excellence bah tu vas s'épeler n'angoué maman kambo ezanga tina maman kambo ezanga tina au lieu à kobake ah excellence ta dossier toi et n'angoué moi toi et puis comme bien surtout dîner mais toi et na dossier peut-être sur un attend un coup t'as vu sur un aviso t'as un dossier pam attaque au bateau que ok bon à côté à cause à maman mutu et qu'on a réfléchir 10 fois na le cambo nous aussi au EBC et nous voilà qu'on nous cabane bongo qu'on nous cabane loco qu'on lia qu'on nous cabane mapango tout ça les 37 ans à opposition les autres ont récompensé je ne pense pas que Etienne Tshisekedi doit nous bapper à son âme combattre pour être récompensé en arrivant au pouvoir non pour lui permettre en ayant les pouvoirs, des pouvoirs, mettre en exergue, c'est pourquoi il a combattu pendant 37 ans. On ne veut comment ligablo ya ba banani donc ba sangani o baza confina ba wana kuna tout ça pour bazolinga fatia e ba bango tout ça
on a tous les mambo zangi tina. Ils ont mambo zangi tina. Interview peuple congolais. Ngana ngobaka na mokonzi mboka, ba ministre ba défense na ba ministre na ba chef état major nenge bozo tuna ngai wana peuple congolais. Ba twana nyonso bazana se okamba mia mokonzi mboka. Tango bisu zoko s'adresse na mokonzi mboka boza ko mokonzi mboka aye ba que ba twana baza ba tumala mute. Hein? A meka koko fungola misu bato ya tiena ba sena sena sekuna ba osa musala nini. Peut-être que non ba chef atel major baza pe informe te. Peut-être que ba ministre pe baza pe informe te. Nous on dit directement au président parce que moi je n'ai pas voté le chef d'état major. Moi je n'ai pas voté le ministre de la défense. J'ai voté Tshisekedi. Donc Tshisekedi mère et des vables. En quelque sorte le la souverain primaire. Ya on a zoko s'adresse na ye. Pour yé dan ba généraux, yé dan ba ministre. Vous voyez? Faut que nous ayons une source. Interview, il y a des gens qui sont Gilles Moulumbayango, tu retiens mon deuxième partie. Nous avons quatre premières parties. Nous avons quatre premières parties. Et si, dans cette situation qu'on est en train de mener ici, moi je l'ai toujours dit, même si on a envoyé un ange du ciel venir combattre aux côtés de nous, aux côtés des FARC, dans notre chat interview dans un instant, permettez-moi de couper ces lives. On reprend dans 10 minutes. Dans 10 minutes, on reprend. On a programmé déjà la deuxième partie. Donc, restez en attente, peuple congolais, pour n'avoir aucune information exclusive. Alors, il faut que je diffuse cette information en dehors et à l'émission. Du coup, je me sens dans l'obligation pour reprendre rapidement pour diffuser l'information. Merci.